Salut les loulous! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux plus rien dire? Bon, elle est explosée. Elle est fière d'elle. Elle est fière d'elle, les amis. Ouais. Je cherchais, vous savez, messieurs, vous savez ce que c'est? Vous cherchez un truc, et ben votre seul recours à un moment donné, tant pis si vous passez pour des ridicules ou pas, vous demandez à votre femme, à votre compagne, chérie, c'est où si, c'est où ça? Ben voilà, ça m'est arrivé. Regardez comment elle est fière. Aujourd'hui, je cherchais un document de formation. Je devais préparer en effet une formation où j'avais besoin de vieilles idées dans un classeur. J'étais convaincu qu'il était là-bas derrière. Et donc, je lui demande, mon amour, tu sais où c'est? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Si je le trouve, j'ai droit à quoi? Et moi, dans l'urgence, hein, messieurs? Hein, et vous, mesdames, vous savez que cette urgence-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans l'urgence, je lui dis, moi, qu'est-ce que tu veux? Un bouquet de fleurs. Je lui dis, ah, pour un bouquet de fleurs, mais pensant qu'elle allait chercher longtemps, qu'elle allait galérer. D'accord? Voilà, on était à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un de ces tiroirs-là. Je pensais les avoir tous vus. Hein, messieurs, hein, vous connaissez ça? Hein, Mars, Vénus. Hein. Ça lui a pris 2 secondes, le bouquet de fleurs. En 2 secondes, elle l'a trouvé, alors que je suis passé devant. Hein, je suis passé devant. Voilà. Elle est fière d'elle. Ah bah Voilà, oui. ça fait partie des inconvénients de vie de couple. C'est que parfois, ça coûte un bouquet de fleurs. Ça va non plus, je te demande pas de le faire à 10 000 euros non plus. Non. Voilà. Bon, c'était juste cocasse. C'était amusant. C'était comique. Ça nous arrive à tous. Hein, nous aussi. Voilà. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao. Bise.